Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous pénétrez au stade de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne en cette fin d'après-midi. Contre, favorable à Vuillemier, Skiba, entraîneur de cette équipe de la Chaux-de-Fonds, l'ex-joueur du stade français, tire de Skiba du pied gauche, juste au-dessus de la barre transversale de Pierre Bernard. Ferrier. Ferrier dans les 18 mètres, tire, ah, très joli tir de Ferrier qui touche l'extérieur du poteau et sort. Svaïs. Mekloufi, Mekloufi dans les 18 mètres. Oh, et là, beaucoup de chance pour l'équipe de la Chaux. C'est exactement à cet endroit que tout à l'heure, Berchi a réussi le but pour la Chaux-de-Fonds. Sur coup franc tiré par Mekloufi qui égalise pour Saint-Étienne à la 15e minute de cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout. Morand qui est le joueur le plus populaire à la Chaux-de-Fonds dans cette équipe. Tir manqué de Petropani, balle reprise par Skiba, oulalalala. Grosse faute là encore de la défense stéphanoise qui a laissé la balle traîner dans les 18 mètres. Ferrier qui effectue un travail terrible, un travail de liaison entre la ligne du milieu de terrain et la ligne d'avant de Saint-Étienne. Mekloufi. Mekloufi à Guy. Redonne à Mekloufi, son capitaine aujourd'hui. Redonne à Guy dans les 18 mètres pour Hervin. Guy. Guy toujours. Tire de Guy. Du pied droit, mais à côté, Ferrier. Skiba. Aigli. Morand. Dans l'équipe de la Chaux-de-Fonds, il y a un Morand qui joue au milieu du terrain et il y a un Moron qui joue ailier gauche. C'est celui-ci. Tir de Moron. Oh là 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 ! Oh, quelle balle Berchi vient de manquer. Il s'en est fallu d'un centimètre qu'il ne réussisse le troisième but suisse. Moron. Skiba se fait prendre par Ferrier. Longue transversale pour Mekloufi. Mekloufi pour Guy. Tire de Guy. Et le gardien suisse Eichmann bien sorti, aidé en cela par son demi-centre Pirkaya, écarte le danger. Interception de Ferrier. Ferrier-Herbin. Herbin Doumbé. Doumbé qui repique au centre, poursuivi par Quattropani. Dans les 18 mètres, tire du pied gauche. Herbin. Mauvaise passe de Herbin directement dans les pieds de Morand. L'arbitre sifflant donc la fin de ce match qui se termine par un match nul, 2 buts partout. Je vous l'ai dit, les deux équipes se retrouveront à la Chaux-de-Fonds la semaine prochaine pour le match retour.